Bienvenue sur la chaîne des whiskies de Roselière. Les chênes de la forêt de Rétimont et de la forêt du Bois-Lalo, la distillerie en a acheté 10 mètres cubes dans chaque forêt et les a conduits chez le fendeur de Mérin, la Mérandrie Bertrand, à Hardencourt, à environ 9 km de Roselière, pour être débités en douelles, les fameuses planches qui vont composer les tonneaux. Donc ça fait 18 ans que j'effectue le métier de mérandier. J'ai repris l'entreprise familiale fondée en 1854. Donc de génération en génération, on fabrique le bois pour les tonneaux, donc le mérin. Alors on a acheté dernièrement des bois sur Roselière pour justement fabriquer des fûts, pour mettre du whisky et pour pouvoir faire un produit de A jusqu'à Z. Pour que monsieur Dupic ait la traçabilité de son produit en fait. La caractéristique c'est que déjà on a du grain fin au niveau des couleurs et on a un bois de qualité, qui apporte des arômes, un produit vraiment typique Vosges. Après le bois il va être sur un parc de séchage de 24 à 36 mois. Et après, le tonnelier, lui, va s'occuper de fabriquer les fûts